Sérieusement, les pièces à 5, même Yoshi va se faire plaisir. Yoshi, genre... Il vient de tout donner, là. Littéralement, Yoshi, il vient de voir sa vie, genre, défiler devant ses jeux. Bah! Tu sais, 5 pour 25, tu te rends compte que, genre, c'est la meilleure aubaine que tu peux avoir dans ta vie? Je suis vraiment en bonne position pour facilement m'acheter. Je dirais facilement, je peux m'acheter une dizaine d'étoiles. Même probablement si je suis bien. Pourquoi tu descends? Pourquoi t'es con? Pourquoi il est descendu? C'était le meilleur moment de faire. Yoshi! Non mais Yoshi, faut que t'aides ton Yoshi là, parce que là il est perdu. En plus, il a perdu. Ah, il a perdu 40 pièces. Bon, bah j'étais tout seul à faire lâcher des étoiles. Hein. Tout le monde sont partis, tout le monde a fait genre bye, have a great time. Je sais pas trop pourquoi en plus. Encore une fois pour les gens qui sont là aussi, si jamais vous voulez faire un petit partage. Attends, essayez de voir le jackpot. Oh, si près du but, il a manqué. Aïe aïe aïe, erreur du dinosaure mon cher Jean-Pierre, oui, ah c'est un coup dur pour l'équipe française ici. C'est pas tant l'équipe française, mais bon c'est l'équipe Yosha. Hein. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement si vous voulez partager aussi le stream, c'est super gentil de part si jamais vous avez des gens qui veulent venir le voir et tout ça, partager un peu partout, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit des connaissances. J'y croyais. Quand même, j'y croyais, hein. Je pensais à la performance de fou. J'étais sûr et certain. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans le shop. C'est le moment de stonxer, hein. C'est littéralement, on n'a pas le choix de genre abuser de cette mécanique de jeu. Là. Littéralement, on n'a pas le choix. Hein. Donc là, on achète tout. Premier achat en un tour. Je vous dis, je pense que je fais deux achats en deux tours. Sérieusement, 11 étoiles. Ça stonks! J'ai l'impression d'avoir mis des parts chez GameStop là, en ce moment. Là. Wow, 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 wow! Ça va beaucoup trop loin. Ah non, je vais pas faire deux achats en deux tours. Mais quand même, je vais pouvoir le faire pour le prochain aussi. Là. Ça, on va aller revendre dans le shop, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. 20, c'est cher quand même. Non. Ça vaut pas la peine. Il y a la même mécanique sur la même DK de Mario Party DS. Ouais. Mario, la map de DK, c'est pas celle qu'il fallait que tu montes dans la jungle puis tout ça, puis tu te rends en haut. C'est un truc comme ça, me semble. Mais c'est en gros quand t'es en haut, tu peux acheter le nombre d'étoiles que tu veux, ça se peut-tu? Peut-être que ça soit ça. Là, je me souviens plus des boutons qu'il faut utiliser, mais je vais me concentrer. Bah, arrêtez de me mettre L, s'il vous plaît. Pas fait le bon! Fais chier! C'est stressant quand ils mettent tout le temps le même truc non-stop, genre à un moment donné, c'est genre j'ai compris. C'est bon. Genre vous pouvez passer à d'autres choses. C'est de la triche boue pour un fantôme, il peut même pas tenir un potter, j'ai dit faute. C'est exactement ça. Hein.
Mais en même temps, il y a des bras, tu sais. Tu dis que dans Mario Baseball, t'as un Goomba qui joue baseball. Il a pas de bras. Comment il fait pour tenir le bâton? Bouh, il y a des bras. Ben, il y a des mains, plutôt. Donc bon, tu dis que techniquement, il serait capable de jouer. Ce qui serait logique, quand même. Bon, là, il faut quand même que j'aie des bons chiffres. Ça va. Ta-ta-ta-ta! 10 pièces gratuites! Des bouts de drap. Des bouts de drap. C'est quoi la blague? Bouts de drap. Bouts de drap. Des bouts de drap. Genre des bouts, des morceaux, c'est ça? Ouais. Je pensais que c'était vraiment plus drôle que ça. Hein. Je m'attendais à une bonne blague, mais finalement non. On est rendu à 16 étoiles, tu sais. C'est rendu du vol, hein. 10 étoiles en deux tours. Du vol. Littéralement du vol. On est en train de voler cette partie littéralement de A à Z. Hein. Je suis tellement en train de dépenser le plus d'argent possible au monde. J'ai l'impression de, genre, à chaque tour dépenser environ 40 pièces. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à shop? Sûrement que non. Stonks. Manbub qui dévalise les galaxies, exact. Je suis en train de voler toutes les étoiles qui existent au monde. En plus, sur Mario Party DS, tu peux avoir les étoiles à 5 pièces. Ah oui, quand même aussi. Je n'ai plus quand même. J'ai hâte quand même de refaire celui sur DS. Parce que j'ai quand même ma 3DS Capture Card. Fait qu'on va pouvoir regarder quand même là-dessus quand je t'ai rendu là-dessus. Ouais, le gazon, hein, comme disparu tout le monde. Pourquoi il y a Boo et Daisy? Pourquoi ils sont tous bloqués? Pourquoi le gazon disparaît pas? Que se passe-t-il? Pourquoi ils sont débloqués tout d'un coup? J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai hâte de voir quand même ma pile de gazon, contrairement à la leur. Sérieusement, les IA ils ont juste buggé complètement. Hein. Non mais... non mais la pile! En mode genre, ouais ok, vous avez fait quoi les gars? Bah j'ai beau. On était en train de travailler à côté. Hein. Non mais même le gazon il disparaissait pas, c'était quand même assez spécial. Hein. Non mais la pile de gazon que j'avais à côté d'eux. Je dis même pas que c'est l'émulateur qui avait des... C'est juste moi qui étais trop fort. Pour quand même miser les vraies choses. Hein. Tombe pas dans mon piège, sérieusement, j'ai mis genre une armée de cases. Tu sais, j'en ai une. Je pense que j'en ai 5. 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Littéralement, genre, t'as la moitié de tes chances de quand même arriver dessus, quoi. L'émulateur en soir, littéralement. Hein. Je te dis, mon PC, il doit surchauffer en ce moment. Et genre, je sais pas, je peux pas faire. Ouais. Tu sais, ma. 2070, c'est genre, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire en ce moment. Ouh, trop de choses à compute. Okay. Le pire, c'est que je pense que je pourrais quand même pousser l'émulateur quand même un peu plus loin que ça. Faudrait que je vois quand même les settings jusque où je peux les rendre. Ah ouais, il veut pas venir voir mes pièces. Lui, il a vraiment pas envie de venir sur mes cases. Hein. Bon, mais c'est le temps de rejouer mon autre mushroom. Il y a pas un pack de textures HD pour Mario Party 6, ça se peut. Hein. Ça peut être très bien. Tout se peut. Hein. Je sais qu'il y a quand même des packs de textures pour des éliminations Wii. Ça, je sais. 4... 10, 14... Bon, ben... 15 étoiles en 3 tours, hein. On a... On a peut-être des chances de perdre. Petit comme ça, environ. Sérieusement, je pense qu'on a quand même des bonnes chances de gagner avec 21 étoiles. Je me dis... Quand même, il y a quand même des limites que... qu'on gagne, quoi. Je pense. Tu sais, je suis pas sûr à 100%. Mais je me dis qu'on a quand même des chances. Puis je m'en vais dans le shop, mais j'ai rien acheté dans le shop.
Bon, ben parfait ça. J'ai vu que ça existait pour Paper Mario GameCube. Paper Mario GameCube, en plus, quand j'y pense, c'est mon troisième Let's Play. Quelqu'un qui peut confirmer, mais je pense que c'est mon troisième Let's Play. Ah, Clean Team, c'est les trucs qu'il faut laver les vitres. Ça, j'aimais bien. Ça me faisait des souvenirs de quand je travaillais au McDo. C'était toujours aussi plaisant. Je les ai pas en équipe de deux, mais... Étant plus jeune... Attends, il faut que je vous explique un truc pendant que je nettoie en même temps les trucs. Étant plus jeune, je pensais pas que c'était de la boue sur les trucs. Je pensais que c'était genre... Littéralement comme la vitre qui était brisée, en gros tu mettais du truc dessus pour que ça nettoie. Genre. Qu'est-ce que tu fais? On met tes codes. Il a perdu du temps. Vas-y, descends. Il a perdu. Peut-être. Ah, il reste une... On a gagné. Quoi? On a gagné. Non mais please. Ils ont fait quoi en face? Non mais ils ont fait quoi? Ils ont fait n'importe quoi. Non mais sérieux, c'est... Genre même moi je trouvais que ça allait... Ok.